Hello tout le monde, c'est Dominage, j'espère que vous avez la forme les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Info Black Ops 3. Cette nuit donc s'est passé l'E3 avec la conférence Sony. Nous avons appris donc que Sony aura le partenariat avec Call of Duty. Mais pas seulement, vous avez donc sous les yeux les images simplement de la découverte du solo. On a aussi découvert, là vous pouvez le voir, les premières images du multijoueur. Il y a vraiment eu plein d'infos comme par exemple le paint shop. Vous pourrez créer vos propres camouflages. Il y a plein de choses qui sont sorties. On a eu déjà premièrement des infos de la bêta, elle devrait sortir normalement le 4 août. On l'espère vraiment, alors vous le savez en anglais hein, First on PlayStation, mais j'espère aussi qu'on aura eh bien les autres consoles. Moi qui suis sur Xbox One ou les autres joueurs PC, on pense à vous évidemment hein. Moi je pense à votre malheur et je me dis bah tiens, pourquoi est-ce que nous on n'aurait pas le droit d'avoir la bêta le même jour? J'espère qu'on ne devra pas attendre 10 jours pour l'avoir. Les amis, je veux avoir vos ressentis. Comment est-ce que vous avez pensé, enfin voilà, quel a été votre ressenti de ce trailer et surtout qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne envie en tant que joueur Call of Duty ou alors est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé là-dedans? Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Voilà, moi quand je vois, en fait je suis un petit peu piégé des fois parce que dans les trailers j'aime beaucoup, ça me donne toujours envie et après voilà, il faut voir où toucher. Je vais pas juger moi personnellement pour le moment, mais on a eu plein d'infos. Donc cette bêta qui devrait arriver le 4, j'ai hâte de voir ça. Il y a plein de choses hein, aussi dans le multijoueur. Il nous parle donc d'un mouvement, des mouvements de joueurs plus rapides, le mode un mode beaucoup plus personnalisable. Ça sera cool déjà au niveau des caractères, vous pourrez vraiment créer votre personnage. Il y aura le paint up aussi, weapon, ce sera pour créer vos camouflages. Il y aura un système de mouvement plus fluide, etc. Moi j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. C'est un petit peu tout ce qu'on a pour le moment, mais il y a plein de vidéos hein, qui vont arriver sur la chaîne au niveau de Black Ops 3 parce que là les infos elles foncent, elles coulent, voilà comme vous voulez. Donc du coup il y a plein de choses qui vont arriver, cette annonce évidemment hein, de Black Ops 3 sur PlayStation cette année. On a été déçus, enfin pas déçus, mais ça fait bizarre de pas avoir de nouvelles de Call of Duty lors de la conférence Xbox. Vous pouvez voir ici les nouveaux modes de personnalisation normalement notamment avec ce screen de l'arme Arak qui est un petit coup de cœur. Moi perso je l'adore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé surtout. Et voilà les amis, n'hésitez pas vraiment, donnez-nous vos avis. Ça fait vraiment plaisir et j'ai hâte de voir plus d'infos à propos de ce Black Ops 3. Merci à tous et à la prochaine les amis.